un grand monsieur. Quelqu'un que j'apprécie énormément, quelqu'un qui apporte énormément au groupe, qui fait du bien au groupe et c'est un élément qui va manquer au groupe la saison prochaine. Merci pour tout ce qu'il a fait, parce que c'est avec des mecs comme lui, de cette trempe-là, que Marseille a gagné des titres. Gabriel Heinze et l'OM, c'est fini. L'Argentin quitte Marseille un an avant la fin de son contrat et nous explique pourquoi. Je pense complètement différent à des personnes qui sont les patrons d'ici. Et comme je pense différent, c'est très sincère et je reste à côté. Le meilleur pour le club, c'est dire stop. Le départ d'un des tauliers du vestiaire est un coup dur pour l'OM, surtout pour son entraîneur, dont il était proche. Du coup, tout le monde s'interroge sur l'avenir de Didier Deschamps. Le coach, il a annoncé quoi ? Pas grand-chose, si ce n'est un discours plus nuancé qu'à l'accoutumée. Je suis en réflexion, bien évidemment, et j'attends de savoir la feuille de route. Je ne ferai pas un choix financier parce que ce n'est pas quelque chose qui est un élément moteur ou un critère décisif pour moi, mais voilà, j'attends de voir un peu comment ça va se passer et avoir des éléments, quoi, surtout. Didier Deschamps a jusqu'au 15 juin pour se décider.